Joal, je me rappelle. Je me rappelle des signales à l'ombre verte des vérandas. Des signales au regard surréel comme un clair de lune sur la grève. Léopold Sédar Senghor. Sur tous mes produits figure le pain traditionnel dans lequel les femmes serrères enveloppent leurs nourrissons, car mes racines sont à l'origine de tous mes projets. Le parfum Union Sacrée est destiné aux femmes et aux hommes. Il veut célébrer l'éternité et l'universalité de l'amour. Quant à la gamme Rosa Lux, elle cible les peaux noires, métissées et asiatiques. Je ne conçois pas la réussite sans aider les autres. Dans mon village, avec l'association Lorraine pour Yengele, nous construisons un dispensaire et une école. Rose, Rose, Rose est votre prénom. Mais c'est aussi la fleur dont la substance aromatique est reconnue entre toutes. Comment voulez-vous, mesdames et messieurs, ne pas simplement être ému aux côtés de cette belle et forte femme qui porte un beau projet ? Fait bien sûr de volonté d'entreprendre, mais également d'une énorme humanité. Je suis venue apporter, transmettre les félicitations, les encouragements des autorités sénégalaises à Rose Angèle Faye, qui fait une fierté du Sénégal. Dans ce lieu magique qui est le château de Lunéville, on peut simplement rapprocher le prénom de Rose, qui est le symbole de la plus jolie fleur, et surtout l'un des premiers parfums qui, au XVIIIe siècle, a triomphé à la cour de Louis XV grâce à Madame de Pompadour. Et n'oublions pas les liens historiques qui lient la Lorraine, la cour de France, à travers simplement une fleur, la rose. Que le succès et le triomphe soient à l'identique, que ce parfum créé par Rose permette d'envahir le corps de chacun et de chacune à travers le monde. C'est le parfum de l'amour, hein, Union Sacrée, comme son nom l'indique. Nous avons là un parfum pour homme et un parfum pour femme. Donc on a voulu créer un parfum qui sacralise l'amour. Donc là, on a une fusion parfaite qui constitue l'union. La fusion des deux constitue un troisième parfum qui est totalement oriental. Donc voilà, c'est vraiment le parfum de l'amour, c'est la fusion, l'union qui puisse exister entre l'homme et la femme. Thank you.